Es igual, ¿no? Porque está, ¿no? Ahí, puede estar otro. Aquí.
está mi canal. Está cañón todo, ¿no? ¿Tu cabana? Con el ojo.
Merci. Ça va pas, tu veux? Je crois qu'il y en a suffisamment là. Ouais, ouais. Il y en a. Bien. La même chose. Ça va être ça. Tu vas passer. On peut faire. C'est bon. Oui, c'est bon. Vous m'avez dit qu'il y en avait assez là. Ouais. Ben ajoute. Pas un problème.
Vous restez la bouche, hein? Ah. Ah tiens, vous avez tout prévu ici? Voilà. C'est l'intérieur, hein? Salah, merci d'être venu. Comment ça va pour toi en Europe et comment se déroule ta carrière internationale? Et tout va bien, je suis en plein tournée en ce moment. Et là, je viens de terminer ma tournée, ma dernière tournée avec Dev. Dev que vous connaissez très bien. Ils sont une grande vedette, ils ont de la chanson en hollandais, donc ils vivent très longtemps en France. Et puis on a tourné pendant 35 jours. Et bon, je suis avec vous aujourd'hui. Et disons, d'ici la fin du mois, je serai au Canada. Bien. Et comment la musique des Rois est-elle reçue en Europe? Par ton rythme, par le rythme Luba que tu exploites? Écoutez, surtout en ce moment, disons, maintenant je suis vraiment contente parce que, bon, au début, bon, vous savez, à l'époque, chanter en dialecte, c'était un peu... On disait que bon, ça c'est une moussa ou ça faisait un peu... On était un peu gênés de chanter un Kiluba. Ah voilà, c'est ça. Et bon, aujourd'hui, bon, on a besoin de, disons, il faut qu'on change, disons, la couleur, le rythme, le style, mais sans perdre notre personnalité. Et bon, moi, j'ai surtout respecté, les vieux qui ont fait cette musique-là depuis le début, disons, à l'époque, c'est du folklore, c'est du folklore. Et moi, je pas ce folklore-là pour faire, disons, mon style à moi. Mais, disons, moi, je pense que c'est ça. Mais ma musique est très bien accueillie en Afrique, comme en Europe. Bon, je ne suis pas vraiment très grande, mais quand même, aujourd'hui, la musique africaine passe en ce moment très bien en France. Je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, que ça va aller encore plus fort, je pense. Bien, écoute, nous te souhaitons beaucoup de choses, bonne chance et que surtout tu sois la meilleure ambassadrice de notre musique en Europe. Et maintenant, nous allons écouter, je crois, une chanson que tu as intitulée Mukalenga. Ça signifie quoi? Mukalenga, c'est chef. Mukalenga, c'est chef. Mukalenga, c'est celui qui coiffe tout. Mukalenga, bon. Un président ou un PDG, je ne sais pas, PDG, ministre, je ne sais pas, chef du village, c'est Mukalenga. Mukalenga, faites attention avec les gens qui sont à côté de vous. Parce que celui qui vous fait du mal, c'est celui qui est juste à côté de vous. Et c'est juste un conseil. Yeah.
séance. Tout ça, c'est pour moi? Il y a une nana à côté, là. Ouais. Très jolie. Pas mieux. Encore une bière. Un peu. Non, ça va. La facture. Ah. Mais tout ça c'est pour moi. Tant pis pour vous. Oui, du maître. La même chose. Juste à temps. Je nous attends, on est venus. Je suis venu avec les gendarmes. Bien. Écoute, nous t'attendions aussi pour faire la mise en place. Mais ça reste juste à temps, ça va. De tant mieux, mais aussi il y a le fait que je pense à un jeune terrible. Il y a beaucoup de talent, on va beaucoup en parler. Et une œuvre de statut. Et il s'appelle comment? Dimitri, quand vous prenez le. Il s'appelle Dati. Bien, voilà, nous en parlerons au cours de l'émission. D'accord. Nous sommes très heureux de retrouver nos téléspectateurs pour leur présenter une émission de qualité, nous l'espérons. Tous les artistes qui forment la revue de cette émission ont la une des journaux et on occupe la meilleure place au Hit Parade. Nous remercions infiniment la direction générale de l'hôtel intercontinental qui a conçu et créé un cadre fantastique et qui nous l'a prêté pour nous servir de plateau pour cette émission Accélération. Pour la première, nous avons choisi pour vous et nous vous proposons ce soir Salamoana, Pépé Calé et
comme tête d'affiche, Kofi Olomide. Ladies and gentlemen, we're very pleased to welcome to Jazz's very own Fatman for you tonight. His name is Mr. Pepe Khalil. Citoyens et citoyennes, nous avons le plaisir de vous présenter ce soir l'éléphant de la ligne joyeuse. Pepe Khalil va vous interpréter Moïdi, l'extrait de son dernier album. Now
Bah, tu ne prends pas? Non, non. La facture. Mmh. Dis, ça fait combien tout ça? 4 000. Quoi? 4 000. 4 000. Ouais. Combien tu as dit? 4 000. L'atmosphère. Non, ça va. J'ai pas de problème, je vais arriver du temps. Ok. Il y en a encore là-bas. Oh ouais, elle est là, bien. Ben. Encore? Ouais. Très bien. C'est toujours un ministre. Ça va, toi? Merci. Non mais... Je pense à une histoire qui me fait rire, moi. Annoncé par Peter des Lexicon Kalamba, Pepe Kali a choisi pour nous ce soir deux grands titres, Moïdi et Près du cœur. Près du cœur, j'ai lu mon code très sentimental. Est-ce que Oyembe Liango, ma mère, c'est que j'aime ma mère, c'est que Près du cœur, ma casse Yoko Kanaïmbi, ma Djambéré. Ezali moninga ndeko ya mboka Rwanda epai tokendeki na voyage tina kokesa mpere bakuba asepelaki mingi na miziki na biso pe ambaki biso na esengo ebongo sikoyo na bozongi bwa biso na Zaïre alor epesaki ye mawa mingi bokabwani wana alor na ndenge alelaki alor yango epesaki ngai likanisi ya kosala nzembo wana Près du cœur nayebi te na kati nalobi oza na Rwanda biso toza na Zaïre. Et j'allais mon petit camion, il est tombé dans mon tombeau.
Jamere, Alamoni, Miami, Tobiti, Salina, y Patina Motema.
Uganda, Karuga, Murwanda. Igihugu cyawe n'igihugu cyacu nacyo. N'igihugu cyacu nacyo. N'igihugu cyacu nacyo. Majambere. Malheur, soucieuse, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça ne va pas à la maison. Mes parents s'opposent à mon mariage. Mais pourquoi donc? Tu as l'âge de te marier, non? Justement. Mais mon fiancé est du Cassel. Et comme tu sais, moi je suis du Bazaïre. Je vois que je n'ai pas le problème. C'est que mes parents proposent quelqu'un de témoin. Car ils estiment que la cousine Cassel est trop sévère à l'égard des femmes. Ils ne tolèrent pas les Juba ou les cousines. En outre, on leur a rapporté que mon fiancé est un enfant naturel. Mais non, ses parents ne doivent pas être rétrogrades. Les choses ont évolué depuis l'instauration du régime égyptien. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome Kinshasa's number one singer, Koffi Olomide. I'm
Y la boca no ya.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, je pense que c'est certainement peut-être la toile de fond de mon âme. C'est peut-être comme ça que je suis au fond. Mais je pense quand même que le fait que les chansons ne sont pas tristes, même s'il y a de la tristesse, c'est ça. C'est ce qui est essentiel. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ça, c'est un peu ma nature. Je suis comme ça au fond, mais Dieu merci. On arrive à en rire, on arrive à danser sur ces chansons. Les chansons tristes n'apportent pas de la tristesse. Bien sûr. Mais quand on le disait, c'est le jeune qui a réussi, qui a vraiment réussi, dont le succès est pratiquement sans précédent, parce que accepté non seulement par les jeunes, mais pratiquement par tout le monde. Est-ce que le succès ne t'a pas grisé un peu? Ce serait inintelligent pour moi de penser que j'ai réussi, que je suis arrivé. On n'est jamais arrivé. On est en perpétuel apprentissage. Moi, j'apprends chaque jour. Cela ne m'empêche pas de dire toute ma gratitude à tous les gens qui aiment bien mon travail. J'ai les devoirs, je le fais très mieux de ne pas les décevoir. De toute façon, il y a aussi le fait que tout le monde ne peut pas aimer Koffi Olomide. Il y a aussi le groupe, je leur dois du respect, je respecte leur point de vue, mais croyez-moi bien que je ne suis pas du tout grisé, et surtout, je ne crois pas que je suis parvenu à quoi que ce soit. Mon chemin est devant moi. La bière est bonne. Elle est bonne. Donc, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Ok, merci. Mais le verre n'est pas cassé. Non, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, non. Tant mieux. Alors, tant pis pour vous. T'en fais un total de combien, là? 6 300. Tu sais, je vais tout régler, moi. Ok, pas de problème. Tu as certainement un programme, oui. Et si tu es le coucou de tous les temps que vous posez les questions. Moi, il y a deux petites questions simples qui me demandent depuis le temps que je suis fan. C'est vrai, je suis comme un peu beaucoup de gens qui me regardent ce soir, je suis fan de Nkunku sans vous, depuis que les choses et tout. Cette journée, c'est éternel. C'est-à-dire, la vôtre. Quel est le secret? À quoi cela est dit? Écoutez, c'est une question embarrassante. Moi, je crois que je l'ai eu comme tout le monde, mais je crois. Comme dit le sage, connais-toi toi-même. La jeunesse, la vieillesse est en nous. Lorsqu'on a décidé de rester jeune, je crois que lorsqu'on veut rester jeune, on reste jeune. C'est tout. La seconde question, je voulais savoir, c'est pas par flatterie que je veux dire ce que je veux dire. Il y a quelque chose de plus. Une espèce de perfection, un goût de la beauté. La beauté transparaît dans ce que vous faites, dans ce que vous concevez. C'est quoi? C'est votre nature? C'est quoi? Il y a d'abord le respect du téléspectateur. En principe, nous qui sommes des artistes, nous qui sommes les servants de l'audiovisuel, surtout dans ce domaine précis de la télévision, nous devons respecter le téléspectateur pour lequel nous travaillons tous les jours. Alors, la meilleure façon de le respecter, c'est de lui offrir un travail de qualité.
Je ne dis pas que j'aspire comme tout le monde. Je ne dis pas que je fais ce que je fais beau et fini. Non, j'aspire à la beauté. J'aspire seulement à la beauté. La beauté est divine. Il n'y a que Dieu qui est beauté. Il n'y a que Dieu qui est toute beauté. Alors, il faut essayer. C'est comme toi, tu es perfectionniste. On sent dans tes chansons que tu cherches la sonorité qui va émouvoir. Eh bien, c'est ça, le problème. J'allais dire, c'est une leçon à retenir pour vos jeunes, comment dire, collègues, qui sont venus après vous. Je suis sûr qu'ils vont en profiter. Ils vont retenir ce que vous voulez dire. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson? Écoutez, Dieu voit tout. Pandeke mawe mani e panda kende ki ko bombana na yo ki loko la mule konoka na motema iso kona mpela te Je vois tout, je sais tout.
baiba benga kaliwa bako kufa kate yewa tu yewete ona nini moto soki ya we akomi moto malamu ona moto nyoso aina sombo la nangamu sapite ona zaraka mosantu se aboi bali nganga na bolingo ya ofele oyo na merite te nga bazalaka koloba mpe balobaka azwaka nzemo ya mondele na bongola na mangala gwasa jigaba soki kolela balelanga na bato bayebaka ngai te ngai moto na mesa na mawa na bokolongwaka mpe na litama soki na we bolela te nze batuma ngai kutulu ngai moto na mesa na nzembo lisumu nanga poti alindanda soki na we bolela te nze kopesanga kombolaki atabule ye mpe ya lutumba ngai moto moko bomoyo nazina nga na kata yakelanga ya mondele soki na we bolela te azibidor te bapimela mindela na preto lele sungi natedi tukami doktor miko nkomi ti bavan manimani napinga na erni nenzambe ya mpe na bango ezokubanga mpe na kuwa basi ya moninga basalelaka feti te liwa ya moto basekaka te naboyi batiola ebende na ngai na papie ya cotisation naboyi bapesa bolingo oyo baningaki nga na yango moto ya soki na we okili gracia azombengani raolo bintu mwikasu zandombasi yarkos eme bongongo na kaba zembo na ngai yango oyo o mwikasu mamoyebikobota soki na wekolela te kuna na mboka baweinga ndina tongeli yo ndako yambe azali esika nyonso abusalaka bato na ye te ani ayebisoki lamo ezali mundo ya makambo salaka etoto apres mamo ngai moto motemezoka mpona piaki yango na maboko ya bamomi banzele ngai moto na zanga kekonzi bango wolonga na zanga kiatabelo mokili epimakinga pe na lamu vraimen merci ngai moto motemezoka mpona piaki yango na maboko ya bamomi Vous avez tout simplement vu, c'est un gros signe de l'autre.
cœur à cœur. Les amoureux n'ont rien à craindre, c'est un mal qui nous a tous. Thank you.
Iyo bandi kusawana, nisi osali yango bandakari. Ikoyo zana poto, bana basi se bele ba zana poto. Nakotanga bakumo na wangote, paske kina mongote. Me, naninge tangai, eske ezali pasiti pona mwasi, pona artiste, asala na mboka mwasi. Thank you.
irrésistible. On a peu fait un robin. C'était qu'elle est mariage n'a eu un ami beau mari. Et Banji, c'est tout qui vient à mourir. Il y a un banda pour aux souvenir là. Kamala male, go mama, Kamala male. Au revoir Kamale, au revoir Kamala male. Donc j'ai bandi depuis 73. Donc estilité, et bandité, et estilité. Et à l'Ibale et à lui pour continuer d'accord. Et mon colo à colibri. Thank you.
C'est combien tu as dit toi là? 6900. 6900. Tout cet art, c'est pour moi? Oui, c'est pour vous. Ton patron, il doit être sympathique, je crois. Il n'est pas là. Il est là. Thank you.
Thank you.
Sí. ¿Oui? C'est facile, très bien. Si? Oui. Écoute. Mais avec quoi je vais payer tout ça? Vous avez cru, hein? Bonjour, citoyen. Bonsoir. Quel est le problème? Non, mais je pense qu'il n'y a pas un problème. Tout ce qui se passe, c'est que je fais ma bière. Maintenant, il faut que je règle la facture. Normal. Oui. Je ne sais pas, il m'a dit 6 000 de quoi. Moi, je... Allez, je vais les passer. Permettez. Comme vous voulez. Il y a un salaire et un maximum. Écoutez, il y a 6300 lire à payer. 6300 aïeux. Exactement, oui. Ah, après, c'est 5000 aïeux. Si on a le lobby, on a 6 morts dans le monde. Excusez-moi, est-ce que vous n'êtes pas trompé dans le droit? Oui. Vous n'êtes pas trompé dans le droit par hasard? Ouais, je comprends rien. Vous comprenez rien, c'est pas l'armée. Mais trompé dans le droit, ça, c'est... Je comprends rien. Vous comprenez rien? L'armée de salut? C'est pas l'armée de salut, si, mon ami. Vous venez, si on vient ici pour avoir de l'argent, on ne vient pas comme ça. Mais nous, on n'est pas là ici pour le plaisir des clients. Je ne travaille pas comme ne pas un plaisir quelconque. Oui. J'ai 500 aïeux pour payer une partie de... Mais moi, je ne vous connais pas, pourquoi je dois vous faire confiance? Ben, c'est... Je ne sais pas... Le gars, il est sympathique. Il m'a ça, c'est son problème de travail. Il m'a bien. Bon, si vous aimez ces gars, ce moment-là, c'est lui qui va payer vos factures. C'est ce que vous voulez? S'il peut payer pour moi, ça mieux. Mais je crois que... On va dire. Il m'a payé 500 aïeux. Écoutez, moi, vous savez, aïeux, écoutez, je vais vous dire une chose. Mais hein? Non, il n'y a pas de ça ici, on ne fait pas d'ombre. Ou bien alors, fallait me demander, je vous aurais offert un verre. Mais si vous avez vu... Au moins une dizaine de verres. Alors vous imaginez, vous croyez que tout le monde va venir comme ça? Ça ne se fait pas, mon Dieu. Écoutez. Non, je n'écoute rien du tout. C'est tout. Tu vas régler ici maintenant, sinon ça va. Ne m'énervez pas. Ok? Zahir, je ne comprends pas. Vous comment allez-vous arriver à 6 000? Bon, quand vous avez bu la bière, vous n'avez pas compris. Je prie ma bière. Ah, vous n'avez pas compris quand vous avez pris la bière. C'est pas la première fois que je commence. Je prie ma bière. Hein? Oui. Je lui ai remis 500 Zahir. S'il peut comprendre, moi je pense que j'ai pris 4 verres, ça m'arrange. Donc nous on comprend l'argent. L'argent, okay. C'est quoi? Ok, c'est quoi? Et alors la bière, c'est quoi? Vous venez boire comme ça, vous imaginez que c'est un home de DDR ici ou quoi? Ben, vous dites ce que vous voulez dire. Donc, ah, je dis ce que je veux. Bon, ça va, allez, bon. On va régler ça maintenant. Bon. Je vais régler ma facture. Soyez gentil, allez, bon. Allez, débarrassez-moi, je vais. Bon, il n'y a pas de sac à fils ici, allez. Foutez-moi ce mec dehors. Allez, foutez-moi ce mec dehors. C'est fini, ça va, la facture, ça ne fait rien. Moi, j'ai l'habitude de boire. Allez, sortez. Je bois, non, je pas de paye, allez, foutez-moi ça dehors. Je allez, foutez-moi ce sac à fils dehors. Allez, vite. Allez, foutez-moi ça dehors, vite. Allez, vite, dehors. Voilà. Yo vas a subir, leyendo.
Et la bolingo est un sens unique, mon bolingo est à côté de ce wario. Thank you.